Salut, on est les Cybertueuses. Au cours de notre semaine à Joinville, on a rencontré 6 jeunes et on a pu se rendre compte de toute la diversité du handicap, que ce soit mental ou physique. Il faut savoir s'adapter à toutes les situations car chaque handicap est différent. Lors de ce séjour, nous avons pu nous rendre compte que la communication avec les personnes en situation de handicap était vraiment très simple et la barrière que nous nous étions imaginée n'existait vraiment pas. Nous avons pu leur parler à tous et ils nous ont tous marqués à travers leurs histoires. Les vacanciers étaient aussi super contents de passer du temps avec nous, donc des jeunes valides ne s'occupant pas d'eux pendant le temps quotidien, mais surtout des jeunes de leur âge avec qui ils pouvaient parler, discuter, rire et s'amuser. Depuis quelques années, l'ANAE cherche à se rapprocher du scoutisme et c'est un moyen pour nous de leur faire vivre nos valeurs, de leur enseigner les valeurs du scoutisme. Et on peut leur faire vivre en même temps le scoutisme, notamment au travers d'un repas trappeur qu'ils auront l'occasion de vivre pendant la semaine. Et Joinville, c'est vraiment un lieu rêvé pour ça, étant un lieu emblématique du scoutisme. Pendant cette semaine à l'ANAE, on a fait plein d'activités super originales. On est allé à Paris pendant une journée, on a visité les monuments, on est allé à Versailles. On a fait de la joëlette et de la vexine et on est aussi allé à la piscine et on a fait plein de petites autres activités qui nous ont ouvert les yeux sur le handicap. Faut savoir qu'il y avait un animateur par vacancier qui s'occupait plus de la vie quotidienne, les douches et les couchers. Et ces animateurs qu'on essayait au plus d'aider quand on pouvait, c'était aussi des super rencontres. Ils avaient souvent plus d'expérience dans le milieu du handicap. Mais ils étaient quand même ravis de nous voir et de nous apprendre tout ce qu'ils savaient.